يا اخو خلينا نقرا يا اخو.
الو، ما تمشي بكير. Je ما vous تمشي entends, بكير. monsieur. Ah, d'accord. Donc tout le monde m'entend. Attendez, je vais faire le partage alors. C'était là, non? C'était là. Hein? N'est-ce pas? C'était le, si vous voulez. Oui, monsieur. On s'est le arrêté temps ici. d'attente. Ah oui, le temps d'attente. Là, bon, nous allons commencer par la particularité des ascenseurs de certains types de bâtiments. C'est-à-dire, ça dépend le cas des bâtiments, ça dépend de quel bâtiment il s'agit. Donc, s'il s'agit de chariots, c'est-à-dire c'est des montées en charge, et en même temps pour les handicapés qui peuvent aussi avoir accès. Il faut prévoir un Monsieur. passager pour tous les 100 mètres, 100 millimètres carrés. Monsieur. Pardon. Oui. Je vous entends mal, il y a des coupures. On va voir maintenant.
Il y a des heures de pointe. Allô? Il y a des heures de pointe, par exemple, entre 8h et 10h, temps de départ, et 17h et 19h, ce sont les heures de pointe. C'est-à-dire le temps de départ, c'est-à-dire le départ, et le temps d'arrivée, quand les gens rentrent vers l'hôtel. Donc, le temps d'attente doit être calculé pour les deux cas. Souvent, il y a à l'étage le plus haut, un restaurant. Bien sûr, souvent, on met généralement dans les hôtels, les grands hôtels, on met les restaurants dans l'étage le plus haut. Donc, c'est ce qui modifie le calcul. Il est recommandé d'avoir des ascenseurs pour 16 personnes pour assurer le transport des bagages. Parce que aussi, dans les hôtels, les gens ils sont avec bagages, et ainsi de suite. Donc, il faut utiliser des cabines importantes. Donc, ce n'est pas le même type de cabine que vous utilisez dans un cas ou dans un autre. Donc, suivant le cas, vous utilisez, c'est-à-dire ici, dans le cas de l'hôtel, vous utilisez des cabines très importantes, c'est-à-dire grandes, pour faciliter le passage et le transfert des passagers avec leurs bagages. Il faut prévoir approximativement ascenseur pour 90 chambres. C'est-à-dire, donc, si vous avez 300 chambres ou quelque chose comme ça, vous divisez par 90. Et vous allez avoir le nombre d'ascenseurs qu'il faut prévoir. Donc, il faut prévoir un ascenseur de service pour deux ascenseurs clients. Donc, bien sûr, il y a un ascenseur pour le service, les gens du service, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans l'hôtel, et deux ascenseurs pour les clients. Il faut également tenir compte du type d'hôtel, ceux à côté de l'aéroport, par exemple, ou des clients pour une nuitée seulement, dans les zones touristiques, une à deux semaines. Donc, ça dépend. C'est-à-dire, là, vous devez faire une étude sur le type d'hôtel. Où est-ce qu'il est situé et il est fréquenté par quel type de clients? Est-ce que c'est des passagers? Est-ce que des gens... Par exemple, il y a des hôtels pour vacances et un hôtel de passage, ce n'est pas la même chose. D'accord? Donc, là, c'est pour les hôtels. Il y a un bâtiment d'habitation. Donc, quand il s'agit de l'habitation, c'est-à-dire quand les gens ont un bâtiment d'habitation, donc, pour choisir les ascenseurs dans les immeubles d'habitation, il faut connaître le nombre d'habitants. Bien sûr, il faut connaître premièrement le nombre d'étages et le nombre d'habitants pour faire une étude du trafic et savoir à peu près choisir quel type d'ascenseur il faut mettre. Pour ce calcul, on peut utiliser le nombre de chambres ou de lits. D'accord? Donc, on utilise le nombre de chambres, c'est-à-dire que si c'est des F3 ou des F4, on fait le calcul suivant ça. Pour calculer le nombre de passagers, on prend l'intervalle de 5 minutes aux heures de pointe. Un intervalle de 5 minutes aux heures de pointe. D'habitude, c'est le matin, quand les gens, si vous voulez, partent au travail. C'est normal, les gens partent au travail ou bien les enfants ils vont à l'école aussi. Hein. C'est la règle de base. La règle de base qui est utilisée est la suivante, c'est-à-dire le tableau que vous voyez devant vous. Nous avons un bâtiment haut standard et un bâtiment standard. Donc, le temps d'attente en secondes, ça sera pour le premier de 40 à 50 secondes, le deuxième de 50 à 60 secondes. Pourcentage du nombre d'états de passage, du nombre total de passagers en 5 minutes, il doit être supérieur à 8% et en bas entre 6 à 8%. D'accord. Donc, voilà, ça dépend du type du bâtiment, c'est des bâtiments haut standard ou bien bâtiment standard tout court. Donc là, il vous donne des idées, comment calculer, si vous voulez, le nombre d'ascenseurs et la surface et le type d'ascenseur que vous utilisez. Donc, dans le cas des habitations, c'est-à-dire, on prend un intervalle de 5 minutes, comme il a été dit auparavant, aux heures de pointe. D'accord? Donc, il ne faut pas que le temps d'attente soit très important. Bon, pour un logement standard, ça, c'est le temps d'attente, c'est de 60 à 70 secondes et le pourcentage, c'est de 5 à 6 % en 5 minutes. C'est-à-dire, ils transportent 5 à 6 % de personnes en 5 minutes. Par contre, les autres, c'est de 8 % et le deuxième, c'est de 6 à 8 % en 5 minutes. D'accord? Maintenant, pour la... concerne les ascenseurs adaptés pour les personnes à mobilité réduite. Pardon, pas ça. Voilà.
Donc, pour les personnes adaptées aux personnes à mobilité réduite, là, les ascenseurs, vous devez, c'est-à-dire, il y a un petit changement, c'est-à-dire, il y a pas mal de choses dont on doit tenir compte. Par exemple, le niveau de locaux, des locaux ouverts au public qui ne peuvent pas atteindre, qui ne peuvent être atteints par les demi-inclinés, c'est-à-dire que pour les handicapés, ils ne doivent pas monter les escaliers. Donc, c'est des plans demi-inclinés comme ça, sont accessibles pour pouvoir faire passer, puisqu'ils puissent passer pour avoir accès à l'ascenseur. Ça c'est pour les gens à mobilité réduite, bien sûr. Un élévateur de plateforme, une signalisation spécifique indiquant le remplacement, c'est-à-dire l'handicapé, quand il vient, il faut avoir assez de signalisation pour qu'il puisse suivre, si vous voulez, le chemin désiré. Donc, les ascenseurs adaptés pour les mobilités réduites, ils demandent certaines conditions. La première, la cabine au minimum. S'il vous plaît, allô? 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 Oui, monsieur. Vous m'entendez? Bon, je reprends. Je m'excuse. Je me suis arrêté un petit peu. Donc, voilà. Comme je viens de vous dire, c'est-à-dire les ascenseurs doivent avoir certaines conditions, vérifier certaines conditions. La cabine, au minimum, 1m40. Parce qu'un handicapé, il rentre avec sa chaise roulante. Et la profondeur de 110 cm, d'accord, pardon, une profondeur de 140 cm et une largeur de 110 cm, c'est-à-dire la largeur c'est 1m10 et la profondeur 1m40. Donc un handicapé peut rentrer avec sa chaise roulante. Donc ça, il faut prévoir ça. Le mécanisme de l'ascenseur permet une mise à niveau à 0,5 m, c'est-à-dire que que ça veut dire la mise à niveau, c'est-à-dire quand on atteint un arrêt, un étage donné, il ne faut pas qu'il y ait une différence de niveau entre la cabine et le sol, le parterre, si vous voulez. Donc, il faut qu'il soit vraiment à 0,5 cm, c'est-à-dire c'est très faible. Donc, l'handicapé, il peut sortir ou bien il peut rentrer facilement. D'accord? Il y a le bouton d'appel de l'intérieur de la cabine, ceux de l'intérieur de la cabine. L'alarme, là, il y a l'alarme, il y a le téléphone, il y a pas mal de choses. Ce sont des conditions de sécurité que vous trouvez, vous voyez devant vous, pouvez les lire. Donc, toutes ces conditions, vous devez en tenir compte parce qu'on peut, utiliser le téléphone, on peut un bouton de sonnette d'alarme, ainsi de suite. Donc, j'en suis. Et je vous laisse le soin de lire le texte complet. Quatrièmement, par exemple, le palier a une aire de rotation minimum 1,50 m de diamètre. C'est-à-dire le palier, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il soit très petit. Il faut que ça soit un peu large, au moins 1,50 m de diamètre. C'est-à-dire autour de, si vous voulez, de l'ascenseur, de la porte d'entrée. Le sol est couvert d'un revêtement antidérapant. Il faut qu'il soit recouvert d'un truc antidérapant. Sans obstacle au pied, à la roue. C'est-à-dire que les gens, quand ils viennent avec leur chariot, leur charrette et tout, il ne faut pas qu'il y ait des obstacles qui les bloquent, qui ne les laissent pas se déplacer librement. Donc, tout ça, il faut tenir compte. Il y a aussi les parois sont munies d'une main courante placée à 90 cm du sol et à 3,5 m de la paroi. Donc, la main courante, vous savez ce que c'est. C'est-à-dire le truc en bois, là, par exemple, là où on peut tenir pour tirer, pour se déplacer. Vous comprenez, c'est comme dans le cas des escaliers, les rampes d'escalier. Donc là, la main courante, il y a un truc comme ça sur lequel on peut tenir pour se déplacer, pour un handicapé, bien sûr. Les parois faisant la place à la porte, bon, les miroirs à l'intérieur, ainsi de suite, tout ça, vous pouvez le voir devant vous, je ne vais pas vous lire tout ça. Un siège rabattable est mis à la disposition dans les cabines, desservant plus de 10 niveaux. Donc, ils mettent un siège rabattable. Donc, ça, c'est des trucs qu'il faut mettre.
Donc, les portes palières des ascenseurs doivent être adaptées aux personnes à mobilité réduite, bien sûr. C'est-à-dire avoir au minimum 90 cm de largeur de passage libre, être coulissante automatique avec une temporisation minimale de 6 secondes et de l'ouverture et de la fermeture. D'accord? C'est-à-dire l'ouverture et la fermeture du porte, elle doit, c'est-à-dire il faut laisser le temps à l'handicapé de sortir ou de rentrer dans le truc. C'est pas, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il se ferme rapidement. Avoir un bord sensible au contact, c'est-à-dire quand sensible au contact, c'est-à-dire dès que vous touchez, la porte ne s'ouvre pas, ne se ferme pas. Si elle va aller se fermer, dès que vous touchez, elle repart, elle s'ouvre encore une fois. Parce que sinon, ça va écraser les gens. Donc, tout ça, il faut tenir compte dans l'achat de votre ascenseur ou bien dans la commande de votre ascenseur. Bon, les élévateurs à plateforme sont autorisés pour franchir au maximum 1,80 m hors gaine. Hors gaine, c'est-à-dire en dehors de la gaine, c'est-à-dire tout à fait en haut. La cabine, bon, les dimensions de la cabine, bon, la plateforme, la profondeur, comme on a dit tout à l'heure, c'est 1,40 m. Elle doit toujours être la dimension face à la porte, c'est-à-dire dès que vous voyez la porte s'ouvre, vous avez une profondeur de 1,40 m. D'accord? Et on peut avoir, comme il vient de le dire ici, deux portes avec 90 degrés entre les deux. Avec la dimension interne, c'est 1,40 m, c'est 1,40 m. C'est-à-dire, puisque si pour la première porte, c'est 1,40 m, pour la deuxième, c'est 1,40 m, donc ça va donner quelque chose, un carré de 1,40 m, 1,4 m de côté. Parce qu'on peut utiliser, c'est-à-dire avoir, si vous voulez, une cabine qui comporte deux portes qui forment un angle de 82 degrés entre elles. Donc, si par exemple vous êtes dans un endroit, vous rentrez par la porte 1, il faut que ça soit en face 1,40 m. Si vous rentrez par la porte 2, ça sera 1,40 m. Donc, obligatoirement, votre surface de la cabine va être 1,40 m sur 1,40 m. C'est un carré de 1,40 m. Voilà. Les boutons de commande, bien sûr, doivent être en diamètre de 3 cm minimum et accompagnés de symboles et de caractères, bien sûr, pour pouvoir identifier de quel type de bouton il s'agit, qu'est-ce qu'on doit faire, c'est-à-dire est-ce qu'on doit toucher le bouton 1 ou bien 2, les chiffres en relief, c'est-à-dire on doit les voir facilement, inscription en braille pour les aveugles. Bon, là on a été très loin, c'est-à-dire ils ont dépassé uniquement, pas uniquement les handicapés moteurs, ils ont été même chez les handicapés, si vous voulez, visuels, c'est-à-dire pour les aveugles, donc ils utilisent le braille. Et des voyants lumineux pour les autres, les gens, les handicapés, par exemple, le moteur, et ainsi de suite. L'emplacement, donc les ascenseurs doivent être facilement repérables, c'est-à-dire quand vous rentrez dans un immeuble, ils doivent être facilement repérables, il ne faut pas qu'ils soient cachés ou on ne les voit pas. Donc les gens, ils vont directement vers l'ascenseur pour pouvoir monter. Le parcours à suivre pour y accéder doit être renseigné par une signalétique claire, c'est-à-dire que vous signalez, il y a une signalisation de l'ascenseur et même pour les étages. Une fois que vous êtes dehors, si vous êtes dehors, ça vous signale, vous donne le numéro de l'étage. Et quand vous êtes à l'intérieur aussi, il y a le numéro de l'étage. Je ne sais pas si quand vous montez dans un ascenseur, vous voyez que les chiffres se défilent 1, 2, 3 jusqu'à 10, par exemple. Donc vous, si vous êtes plusieurs personnes, il y a une personne qui descend en deuxième. Donc dès qu'il voit deux, il s'arrête, la porte s'ouvre. Il appuie sur le bouton pour que la porte s'ouvre. Le troisième, il va au cinquième étage, la deuxième personne qui va au cinquième étage aussi, ainsi de suite. Donc, l'affichage des étages doit être de l'intérieur et de l'extérieur aussi. Voilà. Donc, afin de faciliter, si vous voulez, la localisation, les emplacements, ils vous disent à peu près localisation et les directions données, les flèches de direction, l'éclairage. C'est-à-dire cadre de couleur autour de la porte de l'ascenseur. C'est-à-dire quand vous êtes à l'extérieur, c'est-à-dire il faut que la porte de l'ascenseur soit visible de loin. On saura de loin que c'est l'entrée de l'ascenseur. Voilà. Donc elle est colorée avec une couleur autour de la porte de l'ascenseur. Donc ce sont des indications là que vous voyez devant vous.
Donc, vous devez tenir compte quand vous allez réaliser un ascenseur, parce qu'une fois que vous achetez et tout, il vous reste les signalisations externes que vous devez prévoir. Une affaire de peinture, ou bien de vous mettre en truc en faïence, ou bien quelque chose comme ça. Il y a l'éclairage, il y a pas mal de choses que vous devez ajouter vous-même. Voilà. Alors, là, il vous parle de l'éclairage, donc vous pouvez lire ça. Bon, la signalétique, donc, signalétique doit être placée à chaque palier en face de la porte, bien sûr, de l'ascenseur, et elle doit comporter le numéro de l'étage, comme je vous ai dit tout à l'heure, ainsi que les informations directionnelles. Donc, quand vous êtes en face d'une porte d'ascenseur, et l'ascenseur est en train de monter ou la descendre, vous devez savoir déjà dans quel étage vous êtes, il vous affiche l'étage et la direction de l'ascenseur. Est-ce qu'il va descendre ou bien il va monter? Parce que peut-être vous voulez monter alors que l'ascenseur descend, donc vous n'allez pas, il ne va pas s'ouvrir. Il va s'ouvrir uniquement quand il est en montée, si vous allez monter. D'accord? Sinon, vous devez attendre à ce qu'il descende en bas, il remonte. Ou bien s'il y a un autre ascenseur qui va arriver de l'autre côté, à côté, qui va monter s'il y a deux ascenseurs. D'accord? Les portes ont de préférence une couleur contrastante avec celle des murs adjacents. C'est-à-dire une couleur qui n'est pas la même que celle des murs. C'est-à-dire, il faut qu'elle soit, qu'on la voit de loin. C'est-à-dire avec des couleurs qu'on peut voir de loin et qu'on différencie par rapport à la couleur des murs. Bien sûr, ça, c'est des choses qu'il faut toujours respecter pour pouvoir mieux signaler les ascenseurs, c'est-à-dire les voir de loin. Il y a la sécurité, bien sûr, signal sonore pour indiquer l'arrivée d'un ascenseur. Quand l'ascenseur arrive à un étage, on entend un petit bruit, un signal sonore qui nous dit que l'ascenseur est arrivé. Et comme il vient de le dire ici, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est-à-dire que si vous êtes à l'intérieur de la cabine, il y a un signal sonore pour vous dire que vous êtes arrivé à tel étage. Et celui qui est à l'extérieur, il saura que l'ascenseur va arriver pour pouvoir monter ou descendre, peu importe, dans les deux cas. Donc là, vous avez les indications de sécurité que vous pouvez lire aussi. Il y a les boutons d'appel, tout ça, ben, ça rentre dans l'ascenseur, excusez-moi, mais ça rentre dans la réglementation des ascenseurs. Donc les boutons d'appel, les boutons sont munis de voyants lumineux, bien sûr, ils sont des voyants lumineux pour qu'on puisse les voir, surtout quand il fait sombre. Et ça s'allume dès que l'appel a été enregistré. Par exemple, vous voulez aller à troisième étage, vous appuyez sur le troisième étage, le bouton, il va s'allumer. Et dès que l'ascenseur arrive à cet étage-là, si par exemple vous montez, dès qu'il arrive, il s'arrête. Si vous descendez, dès qu'il arrive, il s'arrête aussi. Maintenant, s'il y a deux, celui qui va s'arrêter, ça dépend lequel des deux qui va descendre. Par exemple, si vous voulez descendre, c'est celui qui arrive, qui descend le premier, c'est lui qui va s'ouvrir, qui va vous ouvrir la porte. Et pour la montée, la même chose aussi. Même si vous avez signalé entre les deux, vous ne savez pas, quand il y a deux, on signale l'étage, mais on ne peut pas savoir lequel des deux va nous transporter. Celui qui va monter, si on veut monter, celui qui va monter le premier, c'est lui qui va nous transporter. Et la même chose pour la descente. Bien sûr, nous pour les boutons d'appel, et ainsi de suite. Donc, il y a aussi les finitions. Donc, le sol est couvert d'un revêtement antidérapant. Bien sûr que faut pas que ça soit glissant. Donc, le sol doit être, si vous voulez, couvert d'un revêtement antidérapant. La couleur des sols doit être contrastée par rapport à la couleur des murs, bien sûr, ce n'est pas la même couleur, il ne faut pas que ce soit la même couleur, pour créer, si vous voulez, une différence, pour que vous puissiez distinguer entre les choses et voir de loin, si vous voulez, l'ascenseur. Bien sûr que là, je ne vais pas vous dire, il n'y a que des définitions, c'est pour ça qu'il n'y a pas de calcul à faire là. Parce que généralement, quand on calcule l'ascenseur, on fait des calculs pour choisir l'ascenseur. Et après, il y a les conditions de sécurité et les normes, si vous voulez, des ascenseurs qui sont demandées. C'est-à-dire pour les portes, comment elles doivent être placées, où elles doivent être placées, la couleur des portes, le sol, comment il est couvert par l'antidérapant, les signaux lumineux, tout ça. Vous avez vu ça. Donc, quand vous allez faire une étude d'un ascenseur, vous devez tenir compte de tout ça. D'accord. Bien sûr que je vais vous dire que suivant l'ascenseur que vous trouvez sur le marché, parce que pour ce qui concerne l'ascenseur, vous ne pouvez pas choisir un ascenseur ou bien dire moi je prends l'ascenseur tel ou tel ou les dimensions tel ou tel. Les dimensions des ascenseurs sont standards, ils sont fixés au préalable. C'est-à-dire que vous allez chez le vendeur, c'est lui qui vous donne ce qu'il a comme ascenseur. Donc c'est en fonction de ce qu'il y a que vous allez laisser
si vous voulez, les dimensions de la gaine. Vous allez estimer les dimensions de la gaine. Vous ne pouvez pas dire, moi, je vais prendre une gaine de, par exemple, de 5 mètres carrés et vous allez chercher un ascenseur. C'est pourri que vous ne trouvez pas. Donc, il faut choisir un ascenseur d'abord, voir ce qu'il y a sur le marché, choisir un ascenseur et ensuite définir les dimensions de la gaine. D'accord? Donc, votre travail, c'est ça. C'est premièrement de voir dans quel, si vous êtes dans un hôtel, de quel projet vous êtes, un hôtel, un hôpital, un immeuble d'habitation, quand il y a habitation et administration, un immeuble administratif. Ça dépend où, dans quel cas vous êtes. Suivant le cas, vous choisissez un ascenseur. Et quand vous choisissez un ascenseur, il vous donne le constructeur, le vendeur, si vous voulez, il vous donne les dimensions de la gaine qu'il faut laisser pour pouvoir installer cet ascenseur-là. D'accord? Donc, tout ça, vous devez le faire au préalable, suivant le cas de votre projet. Donc, les normes relatives à la sécurité incendie, parce que là, il y a risque de sécurité incendie, c'est-à-dire pour les feux, pour éviter d'avoir... Donc, il est nécessaire de rappeler succinctement, notamment pour le cas de la rénovation ou l'aménagement d'un ascenseur dans un bâtiment existant. Les principaux textes réglementaires appliqués en ce qui concerne la sécurité incendie pour avoir une incidence sur l'ascenseur et son environnement. La réglementation incendie applicable est en fonction de la date de construction du bâtiment, de son type de construction, exemple immeuble de grande hauteur, les IGH, je ne sais pas si vous connaissez les IGH, immeuble de grande hauteur, et du type d'activité. Bien sûr, ça dépend de quel type d'activité on est, c'est-à-dire dans quel immeuble on est, bâtiment, c'est-à-dire habitation, hôtel, hôpital, et ainsi de suite. Donc, pour un bâtiment d'habitation existant avant 70, voilà les conditions. D'accord? Vous les avez ici. Ça, c'est pour les bâtiments existants avant les années 70. Pour les bâtiments d'habitation neufs, c'est-à-dire pour les nouveaux, vous avez, voilà les conditions. Par exemple, ici, on va voir un peu. Pardon. 9. Disposition technique 6 modifiée à la protection contre l'incendie du bâtiment incendie. Classement en famille en fonction de la hauteur et de la desserte du bâtiment. Bien sûr, suivant la hauteur et la desserte du bâtiment. Première famille. Habitation individuelle ou bien isolée ou jumelée. Au premier étage, sur rez-de-chaussée ou plus ou moins. Habitation individuelle à rez-de-chaussée groupée ou en bas. Deuxième famille. Habitation individuelle isolée ou jumelée. De plus d'un étage sur un rez-de-chaussée et habitation collective comportant au plus 3 étages sur rez-de-chaussée. C'est-à-dire là, il y a plusieurs troisième famille, habitation dans le plancher du logement, le plus haut situé à 28 mètres au plus, au-dessus du sol, 28 mètres au-dessus du sol, c'est-à-dire accessible aux engins de service de secours. Au plus de 7 étages, circulation horizontale avec plus de 7 mètres entre porte palière du logement et porte d'accès à l'escalier, au rez-de-chaussée d'accès par voie et d'échelle. Autre habitation, bon, il y a plusieurs cas si vous voulez, là je donne les différents points. Donc les portes à cage d'ascenseur doivent être, bien sûr, les portes à cage d'ascenseur doivent être des coupe-feu, bien sûr. S'il y a un incendie à l'intérieur ou bien un incendie à l'extérieur, il faut que la porte soit coupe-feu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un passage du feu de l'intérieur de la cabine vers l'extérieur et vice-versa. D'accord? Donc là, si vous lisez ça, c'est des conditions qui vous donnent, si vous voulez, pour les différents types d'ascenseurs. Les parois de cage d'ascenseur doivent être, bien sûr, coupe-feu. Là, ils vous donnent les familles A et B, ainsi de suite. Je ne vais pas vous lire tout ça. Établissement recevant du public. Bon, là, il y a la réglementation et tout. Les articles qui sont, si vous voulez, appliqués pour... les différents types d'ascenseurs. Les escaliers et les ascenseurs encloisonnés. Les escaliers et les ascenseurs encloisonnés. Bon, vous lisez là, hein? La protection des escaliers et des ascenseurs par encloisonnement est rendue obligatoire par le dispositif architectural du bâtiment. La gaine d'ascenseur encloisonnée doit être désenfumée dans les conditions prévues par les escaliers de l'instruction technique relative au désenfumage lorsque
soit la puissance électrique totale installée en gaine est supérieure à 40 kVA, kV/A, soit la gaine d'ascenseur abrite une machine contenant de l'huile ou un réservoir d'huile. Le désenfumage de la gaine encloisonnée de l'ascenseur n'est pas exigible. Donc là, faut laisser, bon, on vous explique ici comment les différents cas, comment vous faites pour pouvoir, si vous voulez, éviter le, si vous voulez, les incendies ou bien pour désenfumer en cas d'incendie. Donc, cage d'ascenseur à l'air libre. Donc, la cage d'ascenseur doit avoir au moins une de ses faces ouverte sur l'extérieur, comportant en permanence des vides au moins égaux à la moitié de la surface totale de cette paroi. C'est-à-dire que il faut laisser un vide et vers l'extérieur, entre la cabine et l'extérieur. Le coût de machine et machine de gaine, et machine en gaine. Donc, locaux de machine, les locaux de machine, ce sont les locaux machinerie, c'est-à-dire là où il y a les machines qui transportent, si vous voulez, la cabine d'ascenseur, c'est-à-dire les moteurs électriques. Généralement, ils sont tout à fait en haut de l'immeuble ou bien tout à fait en bas. Donc, locaux de machine ou bien machine en gaine, quand vous avez la machine à l'intérieur d'une gaine. D'accord? Donc, il y a la gaine, si vous voulez, il y a la partie gaine avec la cabine, il y a la partie machinerie qui se trouve soit tout à fait en bas, soit tout à fait en haut. C'est ça, les locaux de machine. Et là, on vous explique comment vous devez procéder. Les portes palières. Bon, là, les portes palières, toutes les portes palières normales et de secours des appareils doivent déboucher dans les parties communes et dans tous les cas, être accessibles normalement à tout moment pour un autre moyen que l'appareil lui-même. D'accord, doivent être accessibles normalement à tout moment par autre moyen que l'appareil lui-même. C'est-à-dire qu'on doit avoir un accès vers, c'est-à-dire à travers la gaine, en dehors de l'appareil lui-même, c'est-à-dire en dehors de la cabine. Donc, on peut avoir un accès de l'autre côté à l'intérieur de la gaine, bien sûr. Par exemple, on peut descendre du haut vers le bas ou bien du bas vers le haut à l'intérieur de la gaine pour pouvoir éteindre ce qui, c'est-à-dire en cas d'incendie ou quelque chose comme ça, ou de réparation à l'intérieur, c'est-à-dire l'extérieur de la cabine qui se trouve dans la gaine. Vous avez la gaine, la cabine. L'extérieur de la cabine se trouve, si vous voulez, à l'intérieur de la gaine. Donc, vous pouvez rentrer par le biais de la gaine pour pouvoir réparer à l'intérieur. Pas par le biais de la cabine, parce que vous ne voulez pas casser tout pour sortir. Donc, en dehors de la cabine, si vous devez réparer, il y a un autre vide et d'autres portes pour pouvoir avoir accès à ces cabines-là. Bien sûr qu'il faut prévoir dans les gaines. C'est pas vous, une fois que vous avez prévu la gaine, normalement, vous devez prévoir un vide autour de la cabine pour pouvoir intervenir de l'extérieur de la cabine. Voilà. Revêtement intérieur, bien sûr, le revêtement intérieur. Le revêtement intérieur des cabines d'ascenseur doit être constitué par des matériaux qui répondent à la consigne de sécurité. Bien sûr que les matériaux de revêtement doivent répondre aux conditions de sécurité, elles ne peuvent pas prendre feu facilement. Elles doivent, si vous voulez, faire un obstacle au déplacement, c'est-à-dire il faut qu'elles soient coupe-feu, si on veut dire. C'est-à-dire donc des matériaux spéciaux qui sont coupe-feu, qui ne laissent pas le passage du feu d'un côté vers l'autre, et ainsi de suite. Bon, le réservoir d'huile, ça concerne uniquement les ascenseurs hydrauliques. Il faut un réservoir d'huile. On a vu ça la dernière fois, le réservoir d'huile, bien sûr, pour lui prévoir un emplacement. Il y a la ventilation des locaux, des machines, c'est-à-dire quand on a le local machinerie, il y a la ventilation, c'est-à-dire on utilise des extracteurs et tout, qui permettent de ventiler, si vous voulez, ces locaux-là pour que les machines ne chauffent pas. Donc, elles doivent refroidir, si on veut dire, le milieu. Donc, il y a de l'air qui circule, il y a son temps là pour le changer, pour qu'il y ait toujours de l'air frais, pour éviter que les machines chauffent. Bon, dispositif de secours, donc voilà, par exemple, comme ils disent ici, tout ascenseur pouvant recevoir plus de 8 personnes doit être muni d'une trappe de secours et d'une échelle métallique
permettant d'atteindre le toit de la cabine en cas d'arrêt accidentel. Cette échelle peut être placée dans la cabine elle-même. Le long de celle-ci, c'est-à-dire de l'extérieur. Lorsque plusieurs ascenseurs peuvent contenir chacun plus de 1000 personnes, ils vous disent, voilà, là, il faut continuer à lire, ils vous donnent des trucs avec lesquels vous allez, sur lesquels vous allez, si vous voulez, prendre en charge, c'est-à-dire des trucs à partir desquels vous allez avoir une idée sur les choses qu'il faut installer, qu'est-ce qu'il faut installer pour avoir une bonne sécurité pour les personnes et pour le matériel aussi. Il y a l'alarme, un moyen efficace doit permettre de donner l'alarme depuis l'intérieur de la cabine au service de surveillance ou un responsable désigné par l'exploitant. Donc là, quand il y a un problème et tout, quand vous appuyez sur le bouton d'alarme, il faut qu'il y ait quelqu'un qui va, c'est-à-dire recevoir ce signal-là pour pouvoir intervenir. D'accord? Donc là, les principaux éléments de fonctionnement de l'ascenseur, voilà, il y a le treuil, la cabine et le contrepoids. Voilà, ça c'est, si vous voulez, il y a la cabine, il y a le treuil, bon, là c'est le local machinerie, la cabine avec ses guides-là, elle a les deux guides ici, et le tout, bon, il y a le contrepoids ici, et le tout en contenu dans ce qu'on appelle la gaine d'ascenseur ici, c'est ce qui est en gris. C'est l'espace alloué pour l'installation, si vous voulez, de la cabine. Bon, le réducteur de vitesse est composé d'une roue hélicoïdale ou d'une vis sans fin. En sortie de réduction, on observe la poulie d'adhérence. Donc, le réducteur de vitesse, c'est-à-dire quand il y a le moteur qui tourne, on utilise un réducteur de vitesse pour pouvoir l'appliquer au câble pour que, si vous voulez, la machine, la cabine ne monte pas avec une grande vitesse. Donc, avec une vitesse bien calculée. On avait parlé déjà de ça. Il y a le frein. Le frein, en général, constitué de deux mâchoires articulées qui viennent serrer le tambour et fixer sur la vis sans fin. Donc là, les freins pour l'ascenseur, bien sûr. Il y a le treuil. Le treuil permet de lever une charge par l'intermédiaire d'un câble qui s'enroule autour d'un cylindre, ce qu'on appelle le tambour, et qui est actionné par un moteur électrique, bien sûr. Ce câble est fixé à une de ses extrémités, à l'étrier qui soutient la cabine. L'étrier, bien sûr, la cabine, en haut de la cabine du côté externe, il y a ce qu'on appelle l'étrier, et là, le câble, il est fixé. D'accord? Ce câble est fixé à une de ses extrémités, à l'étrier qui soutient la cabine, il passe sur la poulie, le treuil, et la relie à son autre extrémité, au contrepoids. Donc, le contrepoids, je vous ai dit la dernière fois que le contrepoids, il sert à diminuer la puissance développée par le moteur. Parce que le contrepoids, il aide, si vous voulez, au déplacement de la cabine, que ce soit vers le haut ou vers le bas. D'accord? Donc, là, il y a une formule pour calculer le poids du contrepoids. Donc, le poids du contrepoids est égal au poids de la cabine plus le poids de la charge sur deux, c'est-à-dire la cabine entière à vide, et le poids de la charge, c'est-à-dire quand vous avez des individus, par exemple 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, si c'est une cabine pour 4 personnes, par exemple 320 kg, donc c'est 320 divisé par 2, ça fait 160. Donc ça fait le poids de la cabine plus 160. Si c'est pour 8 personnes, c'est le poids de la cabine plus le poids de 8 personnes divisé par 2, le poids de 4 personnes moyenne. Si c'est par exemple, si on prend 75 kg par personne, donc 8 personnes, donc ça fait 150, 400, 800 kg. Donc le poids de la cabine, 800 kg. Donc là, c'est pour déterminer la valeur du contrepoids. Mais ça, on vous montre comment le calculer, mais ce n'est pas à vous de le calculer parce que le constructeur, au préalable, il l'a déjà calculé. Donc pour un type d'ascenseur, il y a un contrepoids donné qui a été déjà calculé. Maintenant, le calcul de la puissance nécessaire au moteur pour l'ascenseur étudié, c'est-à-dire
comment on calcule la puissance du moteur qu'on doit installer pour un type d'ascenseur. Donc, la formule suivante, nous avons la puissance est égale à la force en newton fois le poids, fois la vitesse, pardon. Dans notre cas, la force, c'est quoi ?